Bonjour, voici les titres de votre 13h15. Le Premier ministre est à l'écoute des partenaires techniques et financiers. Il a échangé avec eux sur les meilleurs moyens de coordonner leurs actions en faveur du développement. À Kongoussi, les populations les plus démunies ont pu traverser la période de soudure sans grand dommage. Le projet d'appui à la sécurité alimentaire a investi en 8 mois plus de 600 millions de francs CFA sur le terrain. À Dori, c'est le 11 décembre avant l'heure. Nous retrouverons dans quelques minutes Peggy Ouedraogo pour les échos de ce jour. Merci de suivre ce journal et bon appétit à vous qui êtes à table. Le Premier ministre a rencontré les partenaires techniques et financiers. Le dialogue entamé avec les institutions se poursuit donc et ce matin, Luc Adolphe Thiaw a parlé avec eux à nouveau des défis qui se présentent au Burkina Faso. Le pays doit en effet faire face à une croissance démographique forte qu'il faut prendre en compte dans des secteurs prioritaires comme la santé et l'éducation. Adama Koulibaly. Comme de coutume, le dialogue de haut niveau entre le Burkina Faso et les PTF, partenaires techniques et financiers, a eu deux fois l'an. Et pour cette deuxième rencontre de l'année 2013, le défi de la croissance démographique, la gouvernance dans la passation des marchés publics et la situation de l'enseignement étaient sur la table des échanges. Les partenaires techniques et financiers ont demandé au gouvernement plus de mesures pour lutter contre la corruption dans l'attribution des marchés publics, la diversification de l'enseignement supérieur en mettant l'accent sur la formation professionnelle, mais surtout des mesures idoines pour que la croissance démographique soit source de développement socio-économique. Nous nous réjouissons que nous ayons eu une discussion très riche avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et le gouvernement, où nous sommes d'accord donc des enjeux de cette question. Comme il l'a dit lui-même, la croissance démographique du Burkina Faso peut être considérée comme une crise ou alors comme une opportunité. C'est selon les moyens et la volonté donc, qui va être mise pour pouvoir adresser cette question-là. Et donc nous nous réjouissons donc, de commun accord, le gouvernement et les PTF, nous avons mis l'accent donc, sur la question des statistiques, savoir exactement où est-ce qu'on en est en termes de taux de croissance de la population, mais aussi permettre de mieux planifier donc, les politiques dans les différents secteurs pour tenir compte justement des besoins de plus en plus croissants de cette population. Le chef du gouvernement qui dit prendre en compte les différentes propositions des PTF s'engage à trouver des solutions aux questions soulevées, notamment dans le secteur des marchés publics. Il y a la question donc, des marchés publics, la commande publique, l'exécution, donc la dépense publique. C'est autant également de préoccupations et je crois que vos interrogations rejoignent également sur celle de la société burkinabé. Nous avons beaucoup de critiques sur les marchés publics, nous en prenons compte, mais nous engageons également ces réformes que vous suivez de chaque fois. Et une fois de plus, également aussi, avec vos propositions, nous allons essayer d'améliorer encore notre politique afin que vraiment, lorsque nous lançons des chantiers, qu'il n'y ait plus que le Premier ministre soit plus obligé de jouer chaque jour aux pompiers. Les PTF ont aussi exhorté le gouvernement à poursuivre et surtout renforcer les mesures sociales prises au profit des populations. Et l'Union européenne, qui est un partenaire de choix de Hunger Project, était aux côtés des populations démunies du BAM. Elle a financé la mise en œuvre du projet d'appui à la sécurité alimentaire, un projet qui a couvert toute la période de soudure. Son action a permis d'appuyer 8000 ménages et de prendre en charge 4000 enfants souffrant de malnutrition. Jacques Lamissa Tarpaga. En rang, ils viennent faire le bilan du projet d'appui à la sécurisation alimentaire au profit des populations pauvres de la province du BAM. C'est un projet qui a pris son envol en mai 2013 avec pour objectif permettre aux bénéficiaires de briser le cercle vicieux de la famine et de la malnutrition. Après 8 mois de mise en œuvre, le projet est à son terme et les ONG Welthunger Hilfe, Hunger Project Burkina et leurs partenaires ainsi que les acteurs font ici à Kongoussi la capitalisation des résultats du projet. Il s'agit d'un programme de transfert monétaire en aide des populations vulnérables suite à la période de soudure. Donc c'est un projet de soutien pour la crise alimentaire qui intéressait les pays. Ça s'est passé en termes de distribution d'aide alimentaire en forme de coupons vivres, cash, farine enrichie pour les enfants et un grand processus de sensibilisation nutritionnelle.
Ainsi, en 8 mois, le projet a permis de venir en aide à 8 000 ménages pauvres de 7 communes du PAM pour un coût global de 400 millions de francs CFA, soit 50 000 par ménage. 4 000 enfants malnutris de la province ont aussi bénéficié du soutien du projet avec 20 tonnes de farine enrichie. Au terme du projet, les acteurs s'accordent à dire qu'il a permis de réduire considérablement le taux de malnutrition et de vulnérabilité dans la province du PAM. Les populations ont accepté le projet. Le projet a bien travaillé. C'est au bonheur de la population de la province du PAM. C'est le projet Hongwawa. Avec l'arrivée du projet, nous avons beaucoup bénéficié, car cela nous a permis de rester sur place pour continuer nos travaux champêtres, sans avoir à nous déplacer pour aller chercher de la nourriture. L'identification des groupes cibles, l'accès difficile à certains villages, le problème d'approvisionnement en farine ont été entre autres les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, un projet financé par l'Union européenne avec comme partenaire d'exécution Hunger Project Burkina. Manger à sa faim fait partie des besoins les plus urgents à satisfaire. Il ne peut pas être dissocié de l'accès à l'eau potable. Dans la région du centre, le département en charge des aménagements hydrauliques veut porter le taux d'accès à l'eau bleue à 76% d'ici 2015. Avant cela, il faut entretenir les ouvrages déjà existants. La direction régionale du centre a entamé la sensibilisation en direction des élus locaux de la périphérie de Ouagadougou. Ismaël Diloma Sirima. À l'instar des autres régions du Burkina, le problème d'accès à l'eau potable touche aussi celle du centre. Dans les secteurs et villages situés à la périphérie de Ouagadougou, on continue toujours de faire des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Pour pallier à cela, la direction régionale de l'eau du centre a échangé avec les élus de ces localités sur la manière d'organiser les acteurs pour la réalisation d'ouvrages hydrauliques ainsi que sur les bonnes méthodes de gestion des forages. Vous savez qu'en matière d'eau potable, les gens ont l'impression de voir que c'est les communes du village seulement qui ont des problèmes. Alors que nous savons bien qu'il y a des villages qui sont rattachés à la commune de Ouagadougou qui en souffrent énormément. Et vous savez que le gouvernement s'est fixé un objectif aussi d'atteindre d'ici 2015, là, en tout cas, l'eau potable pour tous. Et ce problème est d'actualité. Le taux d'accès à l'eau potable de la région du centre est d'environ 67%, un chiffre qui est loin de l'objectif que le programme national d'approvisionnement en eau potable veut atteindre d'ici à 2015, c'est-à-dire 76%. Nous travaillons activement à aller vers ces objectifs-là. Et au niveau, c'est vrai que c'est un peu disparate d'une région à l'autre, mais le ministère travaille beaucoup à louer des fonds pour la réalisation des et surtout pour l'accompagnement, pour la durabilité. Si on se concentre sur la commune de Ouagadougou, c'est parce que dans les autres communes rurales, on voit que le taux d'accès a bien progressé. Cette rencontre a également permis d'informer les participants sur les réformes du secteur de l'eau entamées depuis 2000 par le gouvernement. Un ensemble de mesures qui confèrent le pouvoir aux communes pour réaliser et gérer des infrastructures hydrauliques afin d'améliorer la qualité de vie des populations. Cap à présent sur Dori où nous retrouvons Peggy Ouedraogo. Bonjour Peggy, quelles sont les actualités du jour du côté de Dori? Bonjour Viviane, bonjour à tous. Depuis ici Dori où les activités se poursuivent mais ne se ressemblent pas. C'est dire que la fête bat déjà son plein avant même l'apothéose attendue le 11 décembre. Il n'est pas rare d'entendre à chaque coin de rue « Je ne me retrouve plus, la ville a changé ». Eh bien oui, la physionomie de la ville de Dori a véritablement changé à la faveur de la tenue de la fête de l'indépendance dans la région du Sahel. Boumayanès Nebié s'est promené dans les artères de la ville et voici le qu'il nous propose. Nous sommes à Dori, chef-lieu de la région du Sahel. La ville a fait peau neuve pour accueillir ses invités à l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance le 11 décembre. De nombreuses nouvelles infrastructures construites, des restaurants et d'autres lieux de commerce relookés. Au centre-ville et dans plusieurs rues des quartiers, la poussière n'a plus sa place. Les routes sont bitumées. Des ronds-points et des feux tricolores facilitent la circulation. La physionomie de la ville a changé. Un changement qui fascine les Dori villois. C'est très bon. Voilà, c'est bien. Maintenant, nous souhaitons quand même que l'entretien là, puisse se faire parce que, bon,
les vaches, bon, ça prend la route. C'est bien, on est content de l'élevage, mais s'il peut y avoir un moyen de canaliser les vaches pour qu'elles ne défèquent pas sur le goudron. Et puis bon, là, on va garder l'aspect propre de la ville comme ça. Ben, c'est pas facile, hein, on est content. Le sable, en tout cas, c'est pas facile, hein, il y avait du sable. La ville, en tout cas, Dori a été vraiment une ville très grande maintenant. On est fiers même d'avoir cette ville-là. C'est très bien travaillé, ce que je veux dire. Et vraiment, 50 ans, là, vraiment, c'est un bon truc. Et on souhaite toujours que ça soit comme ça. Donc vous voulez un deuxième 11 décembre? On veut un quatrième 11 décembre, ce n'est pas deuxième. On veut que ça soit même quatrième. En ce moment-là, on sera en paix et puis c'est bien. Dori est développé. La fascination des visiteurs de Dori en provenant de Ouagadougou peut commencer par ce nouveau monument. Dressé à l'entrée de la ville, il serait difficile pour les invités de ce 11 décembre à Dori de passer sans jeter un regard admiratif. Les mares et les lacs artificiels font ainsi de Dori une ville atypique. Leur réalisation, chère au maire de la commune, sonne comme une réponse au problème d'assainissement. Avant d'en parler plus en longueur avec l'initiateur même du projet, voici donc un reportage que nous proposent Vincent Kendrobiogo et Driss Asséré. Parallèlement aux infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre, d'autres grands chantiers en cours d'exécution dans la ville de Dori méritent d'être signalés. Il s'agit de la construction des mares artificielles à l'intérieur de la ville et des caniveaux, dont l'objectif est de trouver des solutions aux problèmes d'assainissement de la ville, particulièrement l'évacuation des eaux pluviales. Ces projets sont portés par la commune avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Parce que vous voyez, tous les deux ans, nous avions des inondations ici. Et en 2012, nous avons eu des inondations parce que au moment où la grande mare était pleine et qu'elle voulait se déverser dans le fleuve Niger, les eaux n'ont pas pu le faire parce qu'il avait beaucoup plu en Guinée et au Mali. Et donc, les eaux ne pouvaient pas se déverser. Dori est une ville facilement inondable. Les mares intérieures devraient servir à drainer les eaux de ruissellement. En cas de trop-plein, le surplus est évacué vers la grande mare à travers des canalisations interconnectées pour être déversé au finish dans le fleuve Niger. Leur utilité sera que, au niveau de la grande mare, dans la grande mare, nous avons beaucoup d'animaux qui sont élevés dans la ville de Dori et vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous voyez que tous les matins et tous les soirs, l'entrée et la sortie des vaches qui sont dans les concessions est un problème. Et ça, c'est un problème qui va durer un peu longtemps parce qu'à Dori, sur les 30 000 habitants de la ville de Dori, il y a 20 000 qui font de l'élevage. Ça veut dire qu'il y a 20 000 qui ont des vaches laitières à domicile qu'elles recueillent tous les soirs pour traire le lait. Et c'est grâce à ce lait qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Nous avons un schéma d'aménagement de la grande mare qui prévoit des abreuvoirs pour les animaux de la ville de Dori, mais nous avons également une zone où nous avons prévu la culture maraîchère pour subvenir également aux besoins de la ville et une partie pour la pêche. Deux mares sont déjà réalisées et aménagées, offrant un cadre de commerce et de loisirs agréable aux habitants de Dori. Les deux autres en cours de réalisation viendront améliorer davantage l'image de la capitale du Sahel, elle qui est déjà rayonnante grâce à la célébration du 11 décembre. En plus de l'aspect assainissement, cela ferait également plus de retenue d'eau dans une ville qui en a besoin. Reste à veiller à la salubrité des précieux ouvrages. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors dites-nous comment se porte la ville de Dori à la veille de ce 11 décembre-là? Ben, la ville se porte comme un charme. Tout est fin prêt. En réalité, je crois que ce qui a été réalisé est extraordinaire. Parce que pour qu'une quinzaine d'entreprises puissent finir leur travail selon le calendrier prévu, il faut le faire. Et ça a été fait. Et nous sommes heureux que les membres du gouvernement, à commencer par le Premier ministre,
tous les ministres concernés, chacun s'y est mis et résultat, les infrastructures sont prêtes, en particulier les rues sont prêtes, les réalisations comme la salle polyvalente est prête, a été déjà inaugurée et pour le reste, nous estimons qu'il reste la cité des forces vives pour laquelle, à ce jour, apparemment plus de 100 villas ont été finies et remises aux organisateurs pour l'accueil des invités de notre pays. C'est une très bonne chose. Et cela montre également combien la population de Dori apprécie l'honneur qui lui a été fait et la ville de Dori a fait de son mieux pour montrer également son appréciation de l'effort consenti par le gouvernement. Il reste encore quelques travaux à réaliser par-ci, par-là, y compris le stade régional et également l'université de Dori qui sera implantée au niveau de Yakuta. Vous allez voir un site extraordinaire et on pense que les étudiants qui y seront aimeront bien sûr apprendre mais vont également savourer le paysage que nous allons leur offrir. Alors, on l'a vu dans les reportages précédents, la ville de Dori fait peau neuve. Quelles sont, vous, en tant que maire, vos attentes, justement, de la célébration de la fête de l'indépendance ici à Dori, vos attentes pour la commune ici, mais aussi pour toute la région du Sahel? Les gens n'ont qu'à venir voir ce que nous avons fait. Parce qu'à Dori, ici, quand nous sommes venus aux affaires, ça fait bientôt 5 ans, le défi le plus important où nous étions confrontés était le problème de l'accès à l'eau potable et l'assainissement. À ce jour, ces deux problèmes-là ont trouvé solution. Et derrière nous, on doit être l'une des rares villes de notre dimension à n'avoir pas connu de coupure d'eau depuis 3 ans. S'il y a une coupure d'eau, c'est un problème entre Sonabel et Onéa. Mais pour l'essentiel, la ressource est là. L'eau vient de Yakuta. Et au niveau de cette eau qui vient de Yakuta, nous nous sommes arrangés pour que non seulement les habitants de la ville de Dori puissent avoir accès, et en ce moment nous pouvons garantir que tout habitant de Dori qui veut avoir un branchement privé peut l'avoir dans la semaine. Et à part l'eau au niveau de Dori, tous les villages qui sont autour de Dori ont accès à l'eau potable 24 heures sur 24. Et maintenant, nous sommes en train de travailler également sur des adductions d'eau potable simplifiées pour les villages qui sont éloignés de la zone de Yakuta. C'est le cas de Kachirga. Nous espérons que ce sera bientôt le cas de Barandagou et le cas de Malbo. Et pour nous, on s'est dit que le problème le plus important dans le contexte sahélien, c'est l'accès à l'eau potable. Parce que dans le Sahel, si vous avez accès à l'eau potable, 80% de vos problèmes sont résolus. Non seulement au niveau des ménages à Dori, parce qu'à Dori, il ne faut pas l'oublier, nous avons 30 000 habitants à Dori, et sur les 30 000, il y a 20 000 qui font de l'élevage à domicile. Donc ces gens-là ont besoin de l'eau à tout moment, et nous leur garantissons cette disponibilité. Il y a également le problème des eaux pluviales. Dans le passé, quand il pleuvait, pendant l'hiver, c'était un cauchemar. Maintenant, des efforts ont été faits dans le cadre du 11 décembre pour accroître le nombre de caniveaux. Mais nous également, nous en avions fait grâce à un financement du programme de réduction de la pauvreté en milieu communal, mais également des financements comme la Suisse qui nous ont permis d'avoir un réseau de caniveaux suffisant pour que toute eau qui tombe, quelle que soit la quantité d'eau qui tombe, elle est immédiatement véhiculée vers le pourtour de la ville. Donc à ce niveau-là, nous pensons qu'avec les caniveaux que nous sommes en train de faire et surtout les mares intérieures que nous sommes en train d'aménager, pour l'essentiel, nous pensons que le problème de l'eau à Dori est géré. On a accès à l'eau et on n'a pas peur de l'eau non plus. En tout cas, c'est l'un des points cruciaux, les problèmes, les difficultés donc véritables de la région, de toute la région. Et justement, est-ce que vous l'avez dit au début que la ville de Dori, elle est prête? Est-ce qu'elle est vraiment fin prête justement pour accueillir le plus grand nombre des invités qui arrivent pour le 11 décembre? Bon, au moins, on sait que vous allez pouvoir boire. Est-ce que vous allez dormir? C'est autre chose. Mais en tout cas,
la boisson là, elle est garantie. Mais du point de vue des habitations, nous avons un souci parce que nous n'avons pas des infrastructures suffisantes pour couvrir les besoins à ce niveau-là. Mais beaucoup est en train d'être fait et à défaut d'avoir des infrastructures, nous sommes sûrs que le paysan moyen sera à même d'accueillir chez lui certains de ceux qui vont venir pour les festivités. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci bien et venez, venez, car c'est du regret à ceux qui ne feront pas le déplacement de Dori. Ça, je l'affirme. Et puis, vous restez avec nous justement pour suivre l'état d'avancement des travaux du stade dont on parlait tout à l'heure, le stade de la région du Sahel, qui est l'une des infrastructures les plus attendues ici. Alors, les travaux ont été lancés à la faveur donc de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance. Et selon l'entrepreneur en charge de l'ouvrage, le stade pourra être réceptionné d'ici le mois de février prochain. Le reportage est de Bangba David Kafado. Travaux pour la construction du stade régional du Sahel se poursuivent. L'édifice occupe une superficie de 10 hectares, un espace offert par la mairie de Dori. Sur le site, l'ouvrage prend forme et viendra certainement renforcer les infrastructures sportives de la région. Le stade fait 300 mètres de longueur sur 250 mètres de largeur. Au niveau du stade, nous aurons deux vestiaires voilà, qui font à peu près 35 mètres carrés. Et chacune, hormis les vestiaires, nous avons quatre latrines, voilà deux de chaque côté des vestiaires, et la piste d'athlétisme aussi. Voilà. Bon, actuellement, les ouvriers sont en train de couler la fondation, le reste de la fondation de la façade, parce que nous avons presque fini la fondation de la façade. Il reste que deux ou trois semelles à couler. Et sur la façade, je dirais également qu'après la fondation, nous avons fait les deux couches de briques pleines et nous en sommes au niveau du coffrage de la longrine. Le futur temple du sport roi se dessine. Les ouvriers sont toujours à pied d'œuvre pour son édification. Le stade n'accueillera plus la finale de la Coupe de l'indépendance prévue le mardi 10 décembre prochain. L'entreprise, confrontée à des difficultés, accuse un retard. Pour ce qui est du SAT, les difficultés, ça ne manque pas du tout. C'est vrai qu'un seul mois de notre obligé d'arrêter les travaux pour peut-être 45 jours, deux mois. Mais aujourd'hui, tout est à planer. Vous le constatez, nous sommes sur le travail, on a repris le travail. On a fait un nouveau planning. En tout cas, ce qui est sûr, certain, d'ici fin février, on pourra rendre les travaux. L'équipe nocturne se met en place et s'active pour prendre le relais avec en tête un seul objectif. Tout mettre en œuvre pour être dans les délais. Actes 3 et 4 pour la série Affaires publiques qui se fait connaître dans toutes les régions du Burkina. À Gorom Gorom, dans l'Oudalan et Seba, dans le Yaga, la caravane de la série phare a déposé ses valises pour le grand bonheur des populations. L'émotion était au rendez-vous, d'autant plus que certains découvraient pour la première fois cette série Affaires publiques. Salinana. Les populations de l'Oudalan en venant au rendez-vous de Gorom Gorom pour la projection du long métrage de Affaires publiques ne se doutaient pas qu'elles allaient avoir une surprise à la fin de la soirée. Ce fut pour elles une double joie car en plus de découvrir pour la première fois la série Affaires publiques, elles ont apprécié que DG Pousbila, en compagnie de son épouse Alima Disco et quelques-uns des agents de la DGAF, ont effectué les déplacements de Gorom. Quand on voit que les acteurs sont présents, ce n'est pas des extraterrestres, c'est des choses qui sont vécues presque en live. Et c'est très très louable que ce genre d'initiative soit salué. Ici nous sommes à Gorom. La couverture télévisuelle n'est pas aussi ça. Il faut avoir un abonnement sur Canal Sat pour pouvoir suivre cet épisode nommé Affaires publiques. De Gorom Gorom, les caravaniers ont mis le cap sur Seba dans le Yaga. Dans cette autre province de la région du Sahel, tous reconnaissent que Affaires publiques va au-delà du divertissement que leur offre la RTB. Pour eux, c'est tout un enseignement. On tire vraiment beaucoup de leçons quand, par exemple, on voit un DG exemplaire qui, malgré la pression de son parti, ne cède devant aucune négociation,
pour le favoritisme, le clientélisme. Franchement, c'est, il nous inspire à être vraiment comme lui. Pour joindre l'utile à l'agréable, les caravaniers de Affaires publiques se sont offerts des moments de détente et de plaisir à Ourfi, à la mare et dans les dunes de sable. Voilà Viviane, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'actualité en cette mi-journée ici à Dori. Nous donnons rendez-vous ce soir à 20h aux téléspectateurs pour d'autres actualités depuis la capitale de la région du Sahel. Merci Peggy, merci à toute l'équipe. Bon séjour, bonne suite de séjour en tout cas à Dori. Revenons à Ouaga avec la politique sectorielle du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui a été adoptée en juillet 2012. Elle définit les grandes orientations du département de Patiendé Arthur Kafando et pour être plus efficace dans son action, le ministère a organisé une session de formation au profit des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette politique. Ernest Kambiré. La politique sectorielle et l'organigramme du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sont les deux principaux documents de référence, objet de ces sessions d'information et de sensibilisation des acteurs de mise en œuvre. Et nous sommes à une époque où il faut informer l'ensemble du personnel. Donc, ça veut dire que tout le personnel du département est concerné par ces sessions. Aujourd'hui, ça débute avec la Direction générale de l'Industrie et le Centre national de la propriété industrielle, deux directions générales qui sont actuellement là. Mais ça va se poursuivre jusqu'au 15 janvier 2014. Donc c'est juste pour donner l'information et au personnel. D'abord sur notre politique sectorielle que nous avons adoptée en juillet 2012 et qui concerne bien sûr 5 programmes. Nous avons un programme industrie, artisanat, programme commerce, promotion du secteur privé et un programme de soutien. À terme, ces échanges avec les différents acteurs leur permettront de mieux se familiariser avec les deux documents et de mieux accomplir les missions du département. Éducation à présent. À l'école, on apprend entre autres à lire et à écrire. Le casse-tête de beaucoup d'élèves, c'est l'orthographe et la grammaire. Pour les apprenants, il y a désormais une série de 8 livres pour faciliter cet apprentissage. Les ouvrages ont été exposés du 4 au 6 décembre à Ouagadougou. Ismaël Diloma, Sirima. Voici des ouvrages pour améliorer le niveau des petits et des grands en orthographe et en grammaire. À travers les 9 défis orthographiques et les différents numéros de Grammaticus, Théo et Capucine, Anne-Marie Gaignard décrit des méthodes qui portent des fruits après 25 heures d'encadrement. Elle a mis au point ces techniques car selon elle, la grammaire française telle qu'enseignée ne permet pas à tous les esprits de s'en sortir. C'est vraiment une simplification générale de la grammaire française, basculée sous forme d'histoire, de conte. Et il utilisera donc sa main, ses yeux et ses oreilles. Il utilisera donc les 3 mémoires pour que ça bascule dans sa mémoire à long terme et qu'enfin, il comprenne comment fonctionne la grammaire. Afin de toucher le maximum de personnes qui ont des difficultés dans l'apprentissage de la langue française, l'auteur de Hugo et les rois être et avoir a donné un cours aux pensionnaires de l'école de formation des enseignants du primaire. Quand l'enfant hésite, je lui dis fais un trait. U, je m'arrête parce que j'ai un danger. Je recule, je tombe sur on. Il a très bien pu l'écrire comme ça. Mais il peut dire les 3 vers que j'avais bu, donc c'est avoir. Il fait déjà son petit mur et il va ouvrir son armoire et il va dire qui est-ce qui ont bu? C'est il au pluriel. Donc, je vais lui mettre un T. J'ai trouvé la grammaire, l'explication, les méthodes de Anne-Marie très simples qui peuvent permettre à un enfant du CE2, sans rentrer dans des termes rébarbatifs, dans des termes compliqués, de bien écrire sans faute. Anne-Marie Gaignard espère que le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation va prendre en compte cette méthode dans la formation des enseignants du primaire et également lui offrir une place de choix dans le programme d'enseignement. Restons dans le domaine de la formation pour parler de ces infirmiers qui veulent renforcer leurs capacités en matière de gestion des services de santé. Chefs de poste pour la plupart, ils sont venus des 13 régions du Burkina pour s'approprier les techniques et méthodes pour rendre leur formation sanitaire plus performante. Ousmane Drabo, Maxime Zongo. Ils sont 111 infirmiers chefs de poste venus des 13 régions du Burkina
à l'école de la gestion des centres de santé. Pendant 5 jours, ces participants ont appris les méthodes et techniques de l'entretien des services sanitaires afin d'assurer des soins adéquats aux patients. Nous avons initié des thèmes qui vont dans le domaine de l'amélioration des compétences des infirmiers sur le plan technique, mais également des thèmes qui leur permettent donc de gérer de façon locale en relation avec donc, la décentralisation dont je parle, et les systèmes de santé. Cette session de formation continue devrait permettre aux infirmiers chefs de poste à mieux répondre aux exigences des sciences de la santé. Cette formation, effectivement, qui porte sur la gestion des centres de santé, plus d'autres aspects très importants de notre pratique quotidienne, va effectivement nous permettre de gérer avec parcimonie tous les biens qui sont mis à notre disposition. Depuis 2010, 1000 agents sanitaires ont bénéficié du renforcement de leurs capacités à travers la formation continue. Un résultat qui ne laisse pas les autorités sanitaires indifférentes. C'est les formations continues que nous organisons avec l'appui de la République de Chine Taïwan, adressées donc aux infirmiers chefs de poste, mais également aux sages-femmes et médecins d'État, dans le but de leur mettre à niveau les nouvelles connaissances et surtout les nouvelles pratiques. La prochaine session en 2014 sera élargie à d'autres agents pour des services de santé encore plus performants et plus efficaces. Le programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle est en route depuis mai 2013. Exécuté avec l'appui des partenaires techniques et financiers, il doit permettre de mettre en œuvre la politique nationale de formation technique et professionnelle. Les acteurs au niveau déconcentré ont reçu de quoi leur permettre de jouer leur partition. Frédéric Etienne Bassenga. Informer les exécutifs des conseils régionaux de l'existence du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle, voici l'objectif de cette rencontre organisée par le dit programme. Cet atelier d'information va également permettre à ces acteurs locaux de maîtriser les procédures d'accès au programme. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les acteurs du premier choix que vous êtes s'approprient le programme et s'implique résolument dans son déroulement sur le terrain. Ainsi, à l'issue de cette rencontre, les acteurs avisés que vous êtes, vous devrez disposer du même niveau d'information sur le PAPS et FTP et maîtriser les rôles des différents groupes de partenaires ainsi que les circuits d'accès aux ressources du programme. À cet atelier, les partenaires du Burkina ont encore réaffirmé leur volonté d'accompagner ce volet de formation du capital humain qui participe à coup sûr à la réduction du chômage. C'est vraiment un programme national qui regroupe les contributions de ces 5 partenaires, ce qui démontre l'intérêt non seulement des PTF à contribuer à la formation technique et professionnelle et à sa politique nationale. Réduire le taux de chômage suppose l'amélioration de l'adéquation formation-emploi, une problématique qui occupe d'ailleurs une place prépondérante dans l'exécution du PAPS-UFTP. C'est tout pour cette mi-journée. Excellente suite de programme sur la RTB.